Hello à tous! Bisoir, j'espère que vous allez bien. Oula, je vois qui part en sucette. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le dernier live de l'année 2022. On va partir du coup, comme je l'ai dit, je crois, hier soir, pour ceux qui étaient en train, qui regardaient Phasmo. Je vais faire la suite de l'aventure dimensionnelle que j'ai recommencé du coup lors d'un précédent live. Je lance la map. J'espère que vous êtes prêts pour ce soir. Pour le réveillon du nouvel an. Et normalement, demain, si tout va bien, je lance un live. De nouvelle année. Sur quoi je ne sais pas, je vous avoue. J'attends juste que la map se lance et après je vais pouvoir changer de scène. J'ai cru que j'avais oublié de démute mon micro. Si le jeu veut bien ne pas bugger, ça m'arrangerait. Je pense que je ferais peut-être aussi des jeux mobiles, certains jeux mobiles qui m'intéressent. On verra. Je suis en train de réfléchir à ça, je sais pas pourquoi. J'ai encore pas mal de jeux à vous présenter. Enfin, à vous présenter. Je pense que la majorité des jeux que je ferai en live, vous les connaissez. Certains seront PS2, certains seront peut-être PS1 si j'arrive à retrouver une console qui est potable. Enfin, qui fonctionne surtout. Hop, voilà, la map est lancée. Pouf. MC là. Ah, merci. Hop. Je vais peut-être juste baisser un peu la musique pour que ce soit un peu moins. Voilà, pour moi aussi en plus. Je vais peut-être la changer, mais là. Ça se trouve pour vous, il n'y avait même pas la musique. Je vais juste baisser dans mon casque. Pour que je sois un peu plus dans le jeu. Voilà. Du coup, on avait trouvé une bonne zone où s'installer. À la fin du live, je suis allé chercher un peu de bois différent. Là, il y a une warehouse que j'ai fait demander en début de construction. Vous voyez, hein, j'ai pris tous les trucs de Mine Colonies qui doivent être en forme à build normalement. Il est déjà parti? Ah ouais. Vous voyez, là j'ai. Bon, ça c'est Lotus. Là vous voyez, j'ai du bois de jungle. J'ai trouvé une jungle. Très loin. J'ai pas gardé l'écho. Et j'ai eu un bug avec la map donc du coup. Bah, j'ai juste j'ai réussi à retrouver certains waypoints, mais il y a des zones que je n'ai pas retrouvées. Du coup, voilà où. Est-ce que j'avais déjà tout préparé pour qu'il fasse le warehouse pendant que je m'occupe de minage? Normalement, oui. Ouais. Allez, tout est prêt. De toute façon, c'est principalement du spruce. Les arbres, je les laisse pousser, enfin je les laisse en format comme ça aussi, histoire d'avoir un peu de végétation, autre que l'herbe et les feuilles, enfin, la grasse. Pendant ce temps, moi je vais retourner miner, je vais essayer de choper du diamant pour avoir par exemple la timing bottle. Vous voyez là, j'ai mon petit renne. Ah, il a plus son nez rouge! Ouh, le bâtard, il a plus son nez rouge. Bon, tant pis. Bravo. Il va rester avec nous quand même. À moins qu'il dépop. Peut-être changer la zone de ma cam.
Par contre, le problème, c'est que ouais, j'ai ça aussi. Je vais la mettre. Je vais la mettre en bas à gauche. Hop. Parce que le chat en soi n'est pas important. C'est quoi ça? C'est du rupier que je ne peux pas ramasser pour l'instant. Ça, je peux le ramasser. Est-ce qu'on a du diamant par là? Non, mais on a de... Je crois que c'est de... Merde. Je crois que c'est pour faire les équipements elfiques de Skyrim, sauf que le mode est vraiment pas fini du tout. Parce qu'il me manque... Enfin, il manque vraiment beaucoup de choses. Je crois que j'allais me charger du donjon aussi, qui est juste à côté à un moment. Ah voilà, c'est l'Elven Or. Ah, il y a de l'Orichalc ou de l'Orichalc, je sais pas comment vous le prononcez, moi je dis Orichalc ou Orichalc, en fait ça dépend des jours. Hop, un peu de lapis, ça tombe bien, j'en avais besoin. De la flotte, j'en ai pas besoin, s'il te plaît, merci. En plus, c'est la même source d'eau, je crois. Ouais, c'est la même source d'eau. Tac, 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 tac. Merde, putain. Hop. Un xénomorphe. Putain, il m'a empoisonné en plus. Ah, bâtard! Putain, je pensais qu'ils faisaient du 2 de large. Bon, vous voyez, ça a un peu... Ça a bien augmenté, là. Ah, c'est ça qu'il faudrait que je trouve. En plus, c'est bien, du coup, il est bloqué, il pourra pas venir me chercher. J'ai bien fait de poser le bloc. Comme ça, du coup, il est bloqué. Y'a là, sale bête. T'es moche. Un drone, ouais. Les drones, c'est, ils sont plus rapides que les warriors. Allons. Foiré. Squelette de mort. Mais il est mort dans la lave, allez chier. Évidemment, le seul item que je voulais, il l'a pas récupéré, cet abruti. Un peu dans la merde, moi, avec ma seule patate, là. Mais sérieusement, la source 2, elle s'est toujours pas coupée, là? Quel enfer. Ah oui, bah si, elle s'était coupée, sauf que l'autre il a saigné, donc du coup, bah ça a pété le bloc. Alors ça, c'est de l'essence or. Je m'occuperai aussi à un moment donné de mécanisme qui me permettra du coup de faire le Miner's Dream. Ou le... pas le Miner's Dream, n'importe quoi, le Digital Miner. Qui me permet... Putain, j'en ai marre. C'est pas mon jour.
Il me faut de la dirt. Ou du gravier. Si, dis-moi pas qu'il y a de la lave en dessous. Bien évidemment que si. Ah, ça c'est bien ça. Des cristal, des earth crystal shards qui me permettront de faire des réceptacles de cœur qui me permettront d'augmenter ma vie au max. Non mais non mais t'es sérieux. Ah ben il m'a looté sa patte tiens. Ah en plus il y a un mending sur lui. Attends, est-ce que j'ai la disenchant table? Oui. La pomme de mes rêves. Ah, il y a de l'ébonite. De l'osmium. Je vais tout trouver sauf du diamant, vous allez voir. Terrifié. La génération de la map elle est dégueulasse. Enfin, elle est pas dégueulasse la génération de la map, mais les minerais, je suis pas sûr que je trouve ce que je veux. Putain, c'est vrai, avec toute la lave qu'il y a là, il n'y a pas un seul diamant autour, sérieusement. Foutez-moi. Ouais, c'est fleurs parce qu'elles ont un effet néfaste sur le joueur. Je pétais ma pioche sur tous les minerais sauf pour trouver du diamant. Enfin, sauf pour avoir du diamant, hein, vraiment. Putain. Un monde du donjon, je suppose. Attends, c'est moi qui suis venu par là? Ah, c'est mon autre bout de grotte!
Terrifiant. Et là, c'est là où je me suis fait buter par le squelette. Alors ça, je sais que ça donne de la bouffe. Au moins 3 diamants, genre je demande pas la lune. C'est quoi ça? Du mithril que je ne peux pas ramasser parce que c'est niveau obsidienne, donc c'est avec le diamant. Hop. La réelle mythe, j'adore ce minerai. Hop. Ah, déjà, je suis un peu mieux protégé. J'ai de l'opsy. Je l'ai récupéré où, cette opsy? J'ai un diamant. Je les ai récupérés où? Ah, j'ai dû les récupérer dans un coffre, dans un village. Au niveau bouffe, je suis dans le caca, hein, vraiment. Je vais prendre des torches. Je suis vraiment dans la merde pour la bouffe. Attends, je suis toujours dans ma playlist là? Ouais. Je pose des torches par acquis de conscience pour éteindre les mobs qui spawnent, bien sûr. Attends, c'est à quel niveau de minage ça? La réelle bite. Est-ce qu'avec ça je peux récupérer du rupee ou de la limite? Je peux récupérer la limite, let's go. Donc je peux récupérer du rupee aussi par le principe. Je crois. Ouais, je peux récupérer l'opsy, donc oui, je peux récupérer tout ce qui est niveau diamant. Par contre, je crois qu'il y a une dura très faible.
Alors, l'essence qui me sert à faire quoi? Va faire un très peu de choses en soi. Le truc de musique qui suit, normalement, c'est censé être que des trucs en rapport avec Naruto. À aucun moment, j'ai entendu ça dans Naruto. Hein. Mais sérieusement, pas un seul putain de diam, je suis dépité. Ah, je peux miner le bunny aussi, du coup. Let's go, hop. Oh, encore un peu d'Arlemmette. Ah, c'est ça, c'est quand même assez résiste. Ok. Puis après j'aurais des mineurs donc en soi j'aurais plus besoin de m'emmerder avec ça. Putain, il se recule encore là lui. Et y a un prédateur juste à... y a un Yogel juste à côté de lui, vous pouvez pas vous taper sur la gueule non? Bizarre, il est calme avec le Yoja. C'est un... Ok, c'est le prédateur de référence. Ok. Parce qu'il s'était pas vu. Tu te fous de ma gueule. Oh, il cherchait un moyen de se taper sur la gueule. Bon, normalement, c'est censé être le prédateur qui gagne. Sauf que là, bah, il va crever comme une merde, cet abruti. Ah non, les deux, ils sont morts. Ah, cool. Oh putain, en plus, il a lâché un de ses disques. Je vais attendre que l'acide dégage. Cool. Il a drop son disque. Non. Oh non, putain, c'est que les lames. Oh, je suis terrifié. Ah, il est bugué. Chier. Oh, je crois qu'il y a une... Je crois qu'il y a un autre mode qui gêne au niveau de l'idée. Je crois. Je trouve que ça n'a rien à voir. C'est de la semaine, ouais. Putain. C'est quoi, c'est un drone? Ah non, c'est un warrior. Il m'a looté ses jambes, lui. Let's go. Ah, il m'a même looté ses yep. Ah, c'est la résistance, ok. J'ai du silver de Skyrim. Du silicone. Faudrait bien que le l'acide dégage pour que je puisse récupérer le cœur. Voilà, un cœur de plus.
C'est dommage que dans le mode de Mine Colonies, il n'y ait pas une maison spéciale pour le pour nous en fait. Sont marrants ces champignons. Je pourrais faire quelque chose ou pas? Je peux pas en faire de la bouffe apparemment. Un peu triste. Voilà. Ah tiens, de la clé. Comme ça, je pourrais m'occuper aussi de Tinker. Je suis déjà full, évidemment. Il sert à quoi cette bûche là? À rien, apparemment. Pour ceux qui se le redemandent, hein, je suis en 1.12.2. De real meat. The real meat. Might. Meat. Non mais sérieusement, je vais avoir zéro diamant là dans cette affaire. Là, j'ai un morceau du donjon là. Ah, je suis là. Ok. Ah! Ah, le petit arc, sympa. Un peu plus de bouffe, tant mieux. Et en même temps, je suis un poil trop haut pour du James. Ok, d'accord, je reviens ici. Ok. Et pour l'instant, c'est pas cette zone-là qui m'intéresse. Merde, attends. Non, je suis pas allé à ça, non. Là. Voilà. Attends, merde, je suis dans quel sens que je dois aller? Par là. Ah bah si, je l'ai niqué la pioche en pierre tout à l'heure. Ça c'est le mithril. Est-ce que je peux le ramasser le mithril? Let's go. Mithril qui fait du 8 de damage. Je peux en faire des armures. Heureusement. Ok, bon. Il n'y en a pas beaucoup, mais bon. C'est mieux que rien. Ah, mais attends, je me fais chier. Ah, mais j'ai pas de. Ah, si, j'ai de l'émeraude, je crois. Faut vite que je retourne récupérer les. Ah, putain, j'en ai que 3. Faut que je retourne au donjon. Il me semble que ça marche avec cela. On est 52. Normalement, ça devrait le faire. Oh putain, j'ai raté ça. Terrifiant.
circonstance, je m'en fous, tant pis. Hop, hop, hop. Il fait tout le temps nuit dans ce jeu, c'est terrifiant. Soit il pleut, soit il fait nuit. Une araignée, d'accord. Non mais Lorraine, tu me gênes. T'es mignon, mais tu me gênes en fait. Pardon. Oui, je sais, Lorraine, je suis désolé, mais tu me gênes en fait. Par pitié que ce soit bien celui-là. Pas que ça marche bien avec ça. Hein. Pourquoi je me suis dit que j'avais de l'émeraude, j'en ai pas. Faut que j'aille dans les villages d'à côté. Faut que je les fouille. Ouais, faut que j'aille fouiller. Faut que j'aille fouiller les villages qui sont autour de chez moi. Il en est où lui? Je referai une version de l'aventure dimensionnelle où je mettrai les autres dimensions que j'ai pas pu ajouter, donc hors spawn et trucs comme ça. Il y a des petites panthères. Là, il y a deux villages collés. L'un à l'autre. Terrifiant. Bon, je sors le renne. Ah, là il y a la forge. Par pitié, dis-moi que t'aimes l'émeraude, mon ref. Oh, du diamant, let's go! Parce que je voulais, mais au moins je me dis, oh putain, contre du cuir, t'es sérieux? Attends, t'es d'accord, ça sert à rien, toi. Oh putain, t'as besoin de charbon, toi, pour avoir combien d'émeraudes? Une seule, putain, 21. Juste là. XIV, t'es sérieux, putain. Sérieusement. Il m'en manque 7. Musique dans Naruto.
Il me faut que 7 de charbon, les mecs, hein, vraiment. Je veux pas du sel. Par là, apparemment, il y a une grotte. Enfin, il y a une faille ou un truc. C'est vrai qu'il y a une faille sur un des chemins que j'ai fait. Attends voir. Je verrai ça après. Ah. Maintenant, il va falloir que je retrouve le bon. Ah, ces musiques. Ah, je les aime, ces musiques, hein, vraiment. Pas pour rien que je porte mon pseudo. Ça, c'est sympa, ça. La slate, comme ça, là, bleu. Hop. Toi, t'es le boucher. Tu m'attaques, toi, sur la... Yes. Hop. Les bouquins, pour l'instant, je les laisse chez les villageois. La faille, en plus, elle est juste là. Ok, je suis vraiment posé à côté de la faille. Si c'est pas trop loin pour la topographie de mon village en construction, je mettrai la mine à côté de la faille. Oh pitié, dis-moi que ça marche. Hey, let's go. Là, on va pouvoir s'amuser. Oh putain, c'est encore buggé ça, t'es sérieux? Oh, je crois que c'est à cause de réactivation que c'est buggé ça. Mais au pire, c'est pas grave. Au moins, j'ai ce que je voulais. Du lithium! C'est que du coup, vu que c'est buggé le mode, je peux pas, je pourrais pas aller à d'autres dimensions que celle-là en fait. Enfin, je pourrais accéder à d'autres dimensions, mais pas genre celle sous l'eau, etc. Tu te barres, oui. Ah
Putain de merde. Je déteste les araignées. Si vous connaissez un bon moyen pour plus avoir peur de ces saletés, me dites pas l'hypnose, je suis pas réceptif. Et non, normalement c'est censé marcher avec excavation. Ah, attendez, je veux quand même vérifier ce problème là. Faut que je retrouve le site. Il est là. Forum. C'est dans quel support Minecraft? Et merde, je reviens.
Oh là, pardon. J'ai eu un petit problème de saignement de nez. Ah, peut-être que je leur mette la liste des modes. Le problème, c'est qu'il y en a en masse. Ah, mais attends, mais je suis débile. Vous avez pas intérêt à répondre. Donc je m'en suis arrêté à Mouse Twix. Ouais, Mouse Twix. Mouse Twix. Mouse Twix. Hop, voilà. Hop, maintenant on revient au jeu. Excusez-moi. Voilà. Ah mais c'est ça, je reviens à ce niveau-là. J'ai combien d'amour? Ah ouais, j'ai quasiment de quoi me faire une armure entière. C'est quoi ça?
Attends, il m'a vraiment pas fait mon portail cet abruti? Il est sérieux? Qu'est-ce que ça? C'est immonde. Oh, c'était immonde la musique. Yes. Ah là, ça y est, j'ai retrouvé. Le portail, il est... Il est... Je sais pas. Oh! Qu'est-ce que cette merde? T'es agressif toi comme animal ou pas? Non, ça a pas l'air. C'est juste de très grosses chauves-souris. Aïe! Si c'est agressif, la bête. Truc qui me monte dessus là, espèce de gros taré. Attends, on a mis du slowness en plus, la sale bête. Ok. Je dois pas être loin de mon portail normalement. Où est-ce qu'il est mon putain de portail? Aïe. De l'amour, on a plus savoir quoi en foutre presque.
Hop, on retourne dans l'overworld. Avec toute la mode que j'ai même plus besoin pour l'instant de me prendre la tête avec les gemmes. Hop, voilà. Ah, je peux pas faire les armes comme ça, ok. Je peux juste faire ma pioche en fait, en gros. Hop. D'ailleurs, je vais peut-être même me faire le portail du Nether tout de suite, comme je peux me le faire. Ouais. La question, c'est je le fais où? Ah mais je peux pas faire de Flint and Steel. Parce que j'ai pas de style. J'ai pas une fire charge genre. Et un cœur de plus. Je n'ai pas de fire charge, évidemment. Il y a bien un endroit où je pourrais en trouver, hein. Du Flint and Steel. J'ai pas envie. Sinon, faudrait que j'aille là. Bas.
Faudra que je rebouche ici parce que c'est dangereux. Les poissons sont nos amis, on n'y touche plus. Et je t'ai rien fait le requin. Ah, chier. J'ai pas eu le temps, mon lieu. Pourquoi la musique s'est arrêtée? Con ou quoi, lui? Non, 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 pas cette musique, elle est copyright. Sale bête. En plus, c'est bien, on est à côté d'un océan, donc je pourrais faire le build que je voulais faire. Je pourrais faire un battle particulier. Ce bateau-là, je vais le laisser. Il est classe. Oh, une poule. Oh, let's go, des équipements. Oh, un petit fire charm, let's go. Putain, et je vais pouvoir en décrafter du bordel. C'est bon ça. Pour l'instant, je vais poser tout ça là. Sauf ma pioche en émeraude, s'il te plaît. Hop. Voilà. Bonjour la poule. Bah, tu seras la capitaine en seconde de ce bateau. Oh putain, oh putain. Je vois rien. Il n'y a pas de la bouffe. Terrifiant.
Ah mais par contre, au secours. Alors je me fasse ça dans le chant, hein. Vous sortez d'où? Je m'excuse d'où vous sortez tous les deux. D'accord. Où est-ce qu'il est ce putain de spawner? Bon. Hop. Hop, voilà. Voilà. Hop, voilà, nickel. Hop. On va accéder au Nether en espérant que ça me fasse pas cracher. Sinon, je vais hurler.
Alors, crash ou pas crash? Attends, pardon. Pardon. Ok. Spawner dans un donjon. Genre vraiment la proba pour spawner dans un donjon? Enfin dans une forteresse? Oh, j'en connais qui me maudirait si vous voyez ça. Chelou ce biome. Ah putain, évidemment. Sympa le smoker là, je trouve ça joli. Évidemment, j'ai pas de bouffe. Dangereux le... Dangereux le Nether. Au moins j'ai pas crash. Hein? Comment ça j'ai quitté ma colonie? Ah! Attends.
Bah, deux secondes. C'est censé être mon lit, ça? D'accord. Attends, j'ai du mal à le traduire, ça. À aucun moment j'ai quitté la colo, moi, off, mais bon, tranquille. Je sais toujours pas à quoi ça sert, mais bon. C'est quoi ça? Ah, c'est un léopard. Je vais pas tarder à m'arrêter, de toute façon, je vais juste faire vite fait le tour des 2-3 villages qui sont autour de chez moi. Voir si je peux pas leur taxer de la bouffe. Alors n'oubliez pas que c'est une série avec vos objectifs, donc n'hésitez pas à m'en proposer. Des trucs toujours au niveau où j'en suis, hein, pas aller me friter contre les Ender Dragon maintenant, quand même. La Yellow Waystone, hop. Là-bas, il y a un autre village. Bon, en deux secondes, j'ai vu qu'il y avait encore un village là juste à côté. J'ai déjà pris la Waystone ici. Bon, bleu beau. D'accord, le xénomorphe. Ça ira mieux quand j'aurai des armes à feu. Avec justement le. Ah bah si, il y avait bien un village à côté. Et une structure encore à côté. Ça c'est des maisons, il n'y a pas grand chose dedans, ça je crois de mémoire. Ah! Ah si, il y a un coffre, attends. Nyon. On ramasse, hein, même si c'est un peu de la...
Pardon. Non mais sérieux, hey, la nuit. Après, je sais que par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure sur le fait qu'il n'y ait pas de maison pour nous les joueurs, il y en a qui vont me dire aussi oh, il y a la mairie. Mais moi, je veux pas m'installer dans la mairie en fait. Je veux vraiment ma propre maison en fait. Du coup, bah, je me la construirai moi-même. Eh, chez le serpent, tu me bouffras pas ce soir. On retourne à la maison et je vais pouvoir m'arrêter là pour aujourd'hui. Bon. Merci d'avoir regardé. Merci d'avoir regardé ce deuxième épisode. C'est pas le deuxième épisode techniquement, mais bon, c'est le deuxième épisode de la reprise. Merci d'avoir regardé ce nouvel épisode de l'aventure dimensionnelle. J'espère qu'il vous aura plu. C'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir comme d'habitude. On se retrouve bientôt pour. Enfin, on se retrouve demain, du coup, normalement, pour un live de nouvelle année sur un jeu sur lequel je sais pas encore. Peut-être continuer les let's play que j'ai en cours. Je pense que je ferai. A Plague Tale. Vous verrez bien. Merci d'avoir été là, d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne fin de journée sur laquelle vous regardez cette vidéo. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Bye!